L'honorable Edmond Agoua et les candidats de la liste UP Le Renouveau de la 10e circonscription électorale ont échangé avec les membres du comité de campagne. L'objectif est d'apporter des clarifications sur les éléments du langage et faire la lumière sur les thèmes à utiliser pour sensibiliser les militants durant cette période de campagne. La séance a eu lieu à Agouagon, dans la commune de Glazoué. Nous allons échanger entre nous sur les langages que nous devons tenir sur le terrain pour éclairer nos militants et éclairer les populations béninoises. Elles en ont besoin. Sans l'information, vous n'êtes pas éveillés. Sans l'information, il vous manquera forcément des choses à savoir et à répéter et à relancer. Mais nous avons pensé qu'il faut choisir quelques responsables sur le nombre que nous composons pour se retrouver ce matin et échanger sur la manière stratégique dont nous allons procéder pour amener à l'Assemblée nationale au mois de janvier prochain 4 députés sur 4. Quelques candidats renchérissent les propos de l'honorable Edmond Agoua. Dites-leur simplement de venir nous accompagner pour participer au festin le 8 janvier prochain, puisqu'il sera la joie dans le cœur de tous les Béninois, de toute la population de Glazoué, de Ouessé et de Savin. Sur le terrain, le DPP avait déjà abordé qu'il y a tellement d'intoxication et c'est des choses sur lesquelles nous ne devrons pas tabler parce que les gens peuvent à partir de là nous retenir dans nos élans de conquérir et de gagner. Je vous invite, chers frères, je vous invite, chères sœurs, descendons sur le terrain, travaillons, expliquons-leur, montrons-leur que, en réalité, nous sommes en position de force. En ce temps, la bataille est rude. Et nous ne devons pas paniquer. Je vous rassure que nous ne devons pas paniquer. Parce qu'il y a assez d'intoxication sur le terrain. Mais la réalité est là. Nous devons informer nos populations ce que le président Talon est en train de faire. Nous devons expliquer à nos populations que les réalisations de l'État viennent de nous-mêmes. Mes frères, soyons très très vigilants par rapport aux intoxications. C'est de ça que moi je parle plus précisément. Répondons-les qu'après le 8 janvier, le président Talon a encore 3 ans à passer au pouvoir. Et si nous commettons les mêmes erreurs, ça va nous rattraper. Mais je sais que cette fois-ci, on ne va jamais commettre cette erreur. Je dis que nous sommes contre le gouvernement. Nous sommes dans le gouvernement, nous serons toujours dans le gouvernement jusqu'à 2026. Après cette série d'interventions, ce sont les femmes candidates qui ont apporté quelques précisions. Quant à nos femmes, je nous exhorte à être femmes samaritaines. Évangélisons, évangélisons la femme. Maintenant que Dieu nous a exaucés, allions-nous refuser cette opportunité? Non. Unissons-nous alors. Nous irons à l'Assemblée nationale. Travaillons, maintenons le cap. Nous y arriverons assurément. Chers Amazones, les femmes, vous êtes là? Oui. Bien. Je compte beaucoup sur vous. Et je sais que quand la femme dit oui, c'est oui. Travaillez. Parlez. À nos maris, parlez à nos enfants, parlez à nos frères et sœurs. Dites-leur que c'est l'UP, le renouveau ou rien. Au terme de cette rencontre d'échange de stratégie politique et de langage en période électorale, les militants ont pris l'engagement d'aller véritablement mouiller le maillot sur le terrain pour la victoire de l'UP, le renouveau dans la 10e circonscription électorale. Chocolat!